this American life. Ceiling came through on your confidence. Ceiling came through, but the healing came too. So Sunday's best. Know that I don't take your requests. So love me till the day's done. Memories still without. Erase my social. Screenshot kind of thing. Okay with the satellite. FaceTime. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce match. À mes côtés, pour le commenter, Pierre Ménès, bien sûr. Salut Pierre. Bonjour à tous, salut Hervé. J'ai mon casque, mon micro, il n'y a plus qu'à. Koretka. Ah non, le ballon est perdu. Et voici les 11 titulaires de l'équipe locale. Roman Bourki sera dans les buts. David Alaba en défense, avec à ses côtés Lucas Piszczek. Léon Goretzka sera au milieu de terrain avec Kai Havertz. Il n'y a qu'un seul attaquant en pointe. C'est ce qu'a décidé l'entraîneur en tout cas. Boateng, Goretzka. Le long de la ligne de touche. Lucas Piszczek. Havertz. Koretka. Timo Werner. Tolisso. Kai Havertz. Allez, il faut le mettre celui-là. Et le joueur qui reste bloqué à 49 buts, le 50e, est-ce que c'est pour aujourd'hui? Ouais, je pense que oui, Hervé. Hein, il attend ça depuis quelques matchs maintenant. Et il a l'air bien décidé à franchir ce cap aujourd'hui. La passe est coupée, bien défendue. Immobilé. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ouais, ça fait le boulot, c'est tout ce qui compte. Il cherche le point de pénalty. Lucas Piszczek, Havertz, Koretka. Kai Havertz, Serge Gnabry. Attention. Oh, magnifique, le gardien qui s'interpose. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. Luis Alberto. David dans la balle. Corentin Tolisso. Ouais, bien joué, il a fait l'effort là-dessus. Koretka. Timo Werner. Corentin Tolisso. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Oh là, heureusement qu'il était là. Havertz. Kingsley Coman. Corentin Tolisso. Kai Havertz. Tolisso. Timo Werner. Johnny. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ouais, lumineuse cette passe. Ouais, dommage, c'était une belle opportunité, mais le drapeau s'est levé. Koretka. Corentin Tolisso. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Allez, il continue. Il a la place pour centrer. Oh, il était temps d'intervenir là. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Timo Werner. Koretzka. Ah, c'est mal joué, l'appel, il aurait dû attendre un peu. Ouais, sur le film, et il est hors-jeu sur cette situation. Et ce sera une touche. Jérôme Boateng. Koretka. Ouais, on passe par les côtés. Havertz. Tolisso. Timo Werner. C'est magnifiquement détendu là-dessus.
Le corner en direction du point de pénalty. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Ballon bien négocié par le gardien. Lazzari. Luis Alberto. A servi. Manuel Lazzari. Lucas Leiva. Sergei Milinkovic-Savic. Ça part bien, action dangereuse. Allez, il lève la tête pour le centre. Allez, le ballon en retrait. Oh, il n'a pas capté le ballon, Burki. Il est décisif, hein, le gardien de but sur cette action, Pierre. Oui, d'abord avec un super arrêt, et puis il a été présent jusqu'au bout. Il peut relancer maintenant. Acerbi, Johnny, Immobilé. Quelqu'un pour l'aider. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Oh oui, encore une bonne passe. Et encore Etska. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il a pas cadré. Un ballon pour l'adversaire. Il s'avance vers la surface. Lucas Leiva. Luis Alberto. Immobilé. Lucas. Ah oui, c'est bien fait ça. C'est vrai, Immobilé. Ah, la frappe qui passe juste à côté, mais c'était une bonne tentative. Johnny, Manuel Lazzari, Joaquin Correa, il essaye de trouver la faille. Ah là, ça joue vers l'avant. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Récupérer ce ballon. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. En profondeur, oui, bien vu. Le ballon appelle le bal. Timo Werner. Ouais, le but, l'ouverture du score dans ce match. À la joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents, eux aussi. Alors attention, hein, ce but, il change tout, hein, c'est plus du tout la même. Oui, à mon avis, l'entraîneur va devoir revoir ses plans à la mi-temps, justement, parce qu'il avait vraiment pas prévu ça. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. On retiendra donc de cette première période. C'est reparti pour 45 minutes. Immobilé. Si tu n'as pas mauvaise passe, c'est cadeau. Ah, la bonne qualité de ses passes. Les 30 derniers mètres. Finalement, le gardien qui peut s'emparer du ballon tranquillement. Pas de danger là-dessus. Ballon rendu à l'adversaire. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Thomas Vertz, Timo Werner. Oh, c'est dévié! Heureusement, sinon ça faisait but! Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue pas grand-chose parfois. Hein. La première mi-temps de Timo Werner, t'en as pensé quoi, Pierre? Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause, ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Koretka. À Vertz. Johnny. On s'approche de la zone de vérité. Allez, le centre à venir. Centre long au deuxième poteau. Intercepté. La défense est quand même sous pression. À Vertz. Coma. Oh, il a de la place devant lui. C'est pas fini, attention. Le gardien qui repousse, attention. On en veut un peu à l'arbitre de ne pas avoir accordé de pénalty. C'est mieux quand on regarde les actions. Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon.
Immobilier. Il cherche des solutions là. Oh, que c'est bien donné ça. Joaquín Correa. Il n'a pas capté le ballon, Burki. Tolisso. Koretka. Très mal donné hein, ce ballon. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Johnny. Au centre, il a vu ses coéquipiers. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Serge Gnabry. Timo Werner. Attention, ça peut être dangereux. Un ballon pour l'adversaire. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Cette contre-attaque est déjà terminée. Et l'attaque va s'arrêter là. Luis Alberto. Essaye de trouver la faille. Luis Alberto. Gardien qui nous régale encore avec cette parade. Ah, il est bien parti ce corner. Sans danger pour l'adversaire. Bastos. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Il ne donnera rien du tout, ce centre, à part une sortie de but. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Johnny. Ballon capté par le gardien. À la bas. Havertz. Timo Werner. Ouais, bien servi sur l'aile, Coman. En retrait dans l'axe, c'est dangereux. Timo Werner. Le gardien qui repousse. Attention à la contre-attaque. Moi, ce que j'aime dans cette équipe, Hervé, c'est qu'elle a surtout mis l'accent sur le collectif. Ouais, c'est clair. C'est clair que tout est tourné vers le collectif hein, dans ce groupe. La composition d'équipe, le recrutement, tout est pensé en fonction de ça. Et c'est vrai que c'est une bonne stratégie, à mon avis, en tout cas. Oh, c'est bien donné en profondeur. Une action qui ne donne rien. Manuel Lazzari. Luis Alberto. Lucas Leiva. Immobilier. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ce résultat. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression en cette fin de match. Ouais, il a le temps de centrer. Tranquillement hein, pour le gardien à ce centre. Belle prise de balle. Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. En profondeur, oui, bien vu. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ouais, ça fait le boulot. C'est tout ce qui compte. Le corner, le ballon en pleine surface. Ah non, c'est mal négocié. Le temps qui file dans ce match. La décision n'a toujours pas été faite. Attention, il a du champ devant lui. Attention, peut-être le centre. Allez, on écarte loin devant. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Tir. Et c'est le but après d'énormes efforts collectifs hein, de la part de cette équipe. Quel pressing. Ouais, ils ont été courageux. Ils courent sur tous les ballons ou presque. C'est ce qui leur a permis de marquer. Ah, il fallait bien que ça s'arrête. Hein. Le gardien de but qui finalement doit s'incliner. Oui, il s'incline pour la première fois dans ce match, mais enfin, il avait déjà fait tellement d'arrêts jusque-là. Et ils égalisent donc un but partout. Allez, il faut tout donner sur ce ballon, il faut monter. Voilà, ça va être intéressant. On va devoir le ralentir parce que le hors-jeu ne paraît pas évident du tout. Arbitre qui a bien jugé sur cette action. Hors-jeu de peu, mais hors-jeu. Allez, une petite minute à jouer dans le temps réglementaire.
Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Attention, il peut centrer là. Au premier poteau, le centre. Ouais, c'est bien pris par le gardien. C'est un adversaire qui récupère cette passe. L'arbitre qui met un terme à cette seconde période. Deux équipes toujours à égalité. Il y aura donc prolongation. La passe est coupée. Il va falloir du jus, hein, de la force mentale pour disputer cette prolongation. C'est vrai que le physique va avoir un rôle de plus en plus important au fil des minutes. Boateng. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ce sera une touche. Un ballon pour l'adversaire. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Magnifique, le gardien, il a pris la bonne décision hein, sur cette passe en profondeur. Et ce ballon qui est perdu. Lucas Leiva. Qu'est-ce qu'il va faire ? Allez, il faut le mettre celui-là. Qui, le ballon qui lui échappe. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. La contre-attaque a été tuée. C'est donné en profondeur. Timo Werner. C'est dommage. C'est dommage de réussir une si belle contre-attaque et à l'arrivée d'échouer face au but. Ouais, il faut un petit peu plus de lucidité quand même. Havertz. Timo Werner. Serge Gnabry. Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Sergei Milinkovic-Savic. On entre dans la zone dangereuse. La bonne conduite de balle. Le contre qui est lancé. Et oui, il marque. But vraiment parfait dans sa conception. On fait tourner, on ne se précipite pas. Du coup, il y a cette ouverture limpide et le buteur qui mystifie le gardien en 1 contre 1. Il mène à la marque désormais 2 buts à 1. David Alaba. Corentin Tolisso. Timo Werner. Oh là là, de justesse, il a repris le ballon. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Il continue sa progression. Oh, le centre peut-être. Le ballon récupère. Il prend la frappe. Et ça fait but donc après un gros travail de récupération, Pierre. Oui, oui, c'est l'illustration du système de jeu de cette équipe. À force de presser, elle récupère et elle marque. On le revoit clairement sur ces images, le ballon qui heurte l'intérieur du poteau avant de franchir la ligne de but. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Oui, fin de la première période de la prolongation. Seconde période de la prolongation, la plus dure bien sûr sur le plan physique. Et sur le plan mental aussi, hein, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Immobilier. Manuel Lazzari. Marco Parolo. Lucas Leiva. Oh, superbe intervention du gardien, petit exploit là. Corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. On cherche des solutions là. Oh, le but peut-être. Oh, le but. On voit les joueurs qui posent le jeu, qui font bien tourner la balle. Et puis d'un coup, le buteur se retrouve seul face au gardien. Il prend la formation, il marque, c'est nickel. Et ça fait maintenant un score de 4 buts à 1. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. L'action qui se poursuit. Allez, il y a du monde au second poteau. Mauvais dégagement, mal fait. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Il n'a pas
capté le ballon, Burki. Il y a du monde sur lui. 7 minutes à jouer encore dans cette rencontre. Un ballon pour l'adversaire. C'est donné en profondeur. Il est... Oh, le ballon dangereux. Et avec cet arrêt, il évite à son équipe de sombrer encore un peu plus. Ouais, il reste un peu de fierté. Et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. Il faut qu'il centre là. Et derrière, il continue d'avancer. Le ballon qui sort, ça sera donc une sortie de but. Allez, plus que 3 minutes à jouer dans cette seconde période de prolongation. Lucas Leibin. Il faut trouver une option disponible. Et les passes dans les pieds qui s'enchaînent. Le centre en retrait, attention. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Ça va mal pour cette équipe et évidemment le public n'est pas content. Il va devoir aller chercher un peu plus ses ballons. Oh, c'est dégagé ce ballon. Il donne un petit peu d'air à sa défense. Corentin Tolisso. Kaya Wertz. Ouais, hors-jeu. Hors-jeu, indique l'arbitre. Ce match qui aura donc